Yo le B. Déjà toi, on va te baisser, toi. Voilà. Oh là 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 là. Ah, c'est corse. Ah oh, putain. Ah, qu'elle fait du bien, celle-là. Ah, qu'elle fait du bien, celle-là. Sur la vie de ma mère, qu'elle fait du bien, celle-là, cette victoire. Oh putain, 2-0, 2-0. Ah, c'est bon, ça. Que dire de plus? Bref, on va commencer cette vidéo. Hey yo, Mechubilut! Comment ça va? Vous allez bien? Ouais. Bah, moi, ça va. Donc, désolé. J'ai pas pu faire le débriefing dimanche. Je n'ai pas pu faire le débriefing samedi. Et je n'ai pas pu faire le débriefing vendredi après le match. Mais bon. Elle est là. Il est là, ce débriefing. Eh ouais. Je me fais critiquer, on me critique, mais je m'en fous, je continue. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de Valenciennes-Ajaccio. C'est un match qui était palpitant. Sur Notre-Dame de Valenciennes, on les a corsés, ces Corses. Ouais, jeu de mots de merde. Ouais, je le sais. Encore un jeu de mots de merde. En tout cas, ce que je peux dire, premier match de tel. Nouvel attaquant du VFC prêté par le Stade Rennais. Premier but pour son premier match face à des Corses incapables de réagir. C'est ça qu'il fallait. Match nul à Lens, victoire contre Ajaccio. C'était pas donné au départ. On n'était pas confiant. Moi-même, je n'étais pas confiant. Je vous le dis. Mais on les a tués. Au moins, on ne pourra pas dire, voilà, Valenciennes, ça va pas, ça va pas. Il y a des moments, ça va, et des moments, ça va pas. En l'occurrence, là, ça va. C'est comme Lyon. Lyon, depuis qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain, là. Ils n'y arrivent plus. Ils font plus rien. Nous, Valenciennes, là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pour ma part, on a été dominant. On a eu des occasions, on les a concrétisées. But de Tel, 1-0, première mi-temps. Deuxième mi-temps, servi par Julien Masson. Sébastien Houdet en profite. Et bim, près du pied, le gardien est battu, il ne peut rien faire. Donc voilà. Pour ma part. On a vu une défense, enfin j'ai vu une défense très solide pour ma part aussi, avec des superbes récupérations de Jean Méditerranée, un bon match de Baptiste Alloué, il ne laissait rien passer, les Corses ils ont eu quoi? Alors on va dire 8-9 frappes, Perquise il fait une bonne début de première période. Malheureusement, sur une de ses sorties, il se blesse. On a Cyril Merville qui le remplace. En fin de match, il nous sort une belle parade. Reprise de volaille. À bout portant, il l'arrête. Malheureusement, il nous a encore fait peur. Une sortie ratée. Les Corses en ont profité. Heureusement pour nous, Tarat, il la récupère. Il la sauve. Avant qu'elle ne rentre. Donc voilà. Pour ma part, c'est ce que j'avais à dire. Après, si vous avez regardé le match, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Excusez-moi. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Oui, désolé, c'était un petit débriefing, mais je n'ai pas trop le temps. Et du coup, voilà, sur ce, je vous laisse. Forza via Mechubilut. Bills.